maiatzaren 22an, Bidasoa ibaian itota hiltzen Yaya Karamogo, 28 urteko gazte ginearra. Europar batasuneko kide diren herrialdeek abian jarritako migrazio politiken biktima bat gehiago. Gaur hemen gaude politika kriminal horiek eta gobernu eta politikarien ardurak salatzeko. Ériger des murs toujours plus hauts et infranchissables, au pied desquels s'échouent des cadavres par dizaines de milliers, ne peut pas être une solution. Si les politiques frontalières causent la mort d'innocents par milliers, alors qu'elles deviennent des politiques meurtrières. Construisons des ponts, pas des murs. Da igual que sea en el Mediterráneo, da exactamente igual que sea en el propio Bidasoa. Nos afecta mucho más lo cercano, lo que ha ocurrido aquí mismo, pero esto es un drama a nivel mundial. La mort sans un corps qui l'atteste, cela n'existe pas. Vous croyez qu'on veut mourir? On court par-dessus l'océan pour vivre, c'est tout. On ne t'oubliera pas, Yaya Karamoko, comme on n'oubliera pas ce qu'il est possible, au cœur de notre 21e siècle, de faire subir au corps, au nom, aux familles et aux mémoires collectives. Thank you.